Les membres que tu connaissais autrefois, bien-aimés, on va plus revenir, bien-aimés, dans toutes les meilleures choses qu'on avait plus bien avant. Non, 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 on avance, bien-aimés, vers la fin. Mais cherche à être en paix. La Bible déclare que si cela ne dépend que de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen, amen, amen. Soyez en paix avec tous les hommes. Il y a des gens qui ne sont même pas en paix avec eux-mêmes. Ni avec sa femme, ni avec les gens de l'église. Personne, tu n'aimes personne. Tu n'aimes pas toi-même, tu n'aimes pas tes enfants. Quand tu vois tes enfants, comment tu les frappes? Tu regrettes même de les avoir. Quel genre de cœur que tu as? Amen. Amen. L'amour n'est pas envie, n'envie pas. À cause de l'envie, beaucoup de jeunes filles sont en train d'hypothéquer leur vie. À cause des envies, je vais être comme telle seule. Telle seule, maintenant, tu ne sais pas si elle a vendu son âme au diable. Toi, tu ne sais pas. Donc, je vais être comme elle. Je vais mettre les mèches comme elle. Je vais m'habiller comme elle. Voilà pourquoi le diable, quand il voit en toi les envies, il va t'envoyer le prédateur. Il va t'envoyer le loup ravisseur qui va te détruire ta destin. Amen. Aimons-nous, aimons-nous les uns les autres. Pardonnons-nous. Il faut le pardon. Amen, amen. Il faut le pardon, quel que soit le mal, parce que nous sommes trop fiers. Moi, on ne peut pas parler de moi comme ça. Moi, vraiment, je suis allé vers elle pour la saluer. Regarde comment elle m'a regardé. Et alors, frères et sœurs, si tu veux suivre le Seigneur, il faut être bête. Elle m'a dit, il faut accepter de l'être idiot. Tout simplement, je vais conquérir les cas. J'accepte l'humiliation. J'accepte d'être stupide. Il y a des langues que tu dois arrêter. Oui, il y a des langues, il y a des frissons que vous avez. C'est des frissons, il faut aller les examiner. Et voilà, c'est pas normal. Même un cœur, même il y a des frissons. S'il n'y a pas l'amour, prends les bolibras. Oui, il faut qu'il y ait l'amour. Tout ce que tu as de faire. Bien, et quand on a envie de donner sans rien entendre, bien, on est tout. Il y a des gens bien, qui souffrent maintenant aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont aidé quelqu'un en attendant quelque chose. Je les fais venir de l'Europe pour regarder mes enfants en bon. Mais c'est pour ça que les familles sont détruites. Oui. Fais venir quelqu'un pour qu'il gagne sa vie, pour qu'il accomplisse sa destinée. C'est tout. Maintenant, vous avez fait venir les gens. Maintenant, tu veux venir quelqu'un pour te garder les enfants. Et elle-même, elle ne va pas travailler. Mais quand elle va te dire, maintenant, moi j'ai trouvé un fiancé, moi je veux me marier. Ah non, ah non, 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 tu t'opposes. Motivation impure. Non, ce type-là, c'est un voyou. Non, ce n'est pas un voyou. Toi, tu veux retenir la personne pour te garder les enfants. Quand on aide, c'est par rapport à Dieu. Je te donne même sur mon frère. Donne bien mes paroles au motif. Que Dieu soit, mais ici on a l'habitude de mettre dans les enveloppes. Parce qu'il y a des églises, quand tu vois, même tu vois bien, la rivalité à l'aide. On met les offrandes, il y en a qui balancent même sa vie, son billet. On a, vous, vous avez donné 5, moi je ramène un billet de 200. Et les, oh, ça c'est quoi ça? Hein? Les matures. C'est pas comme ça. Même ton offrande, tu te les donnes, tu craques. T'as dit, c'est bien, mais ton secret avec les élèves, tout cœur. C'est le doux que tu m'as donné. Voici les fruits de mon labeur. Seigneur, reçois les Seigneurs. C'est par amour pour toi que je te donne. Si tu as quelqu'un dans ton cœur, à partir de ce soir, appelez quelqu'un. Ne brisez pas les bonnes relations. Vous savez, il y a des relations qu'on ne peut pas briser. Surtout les relations bien-aimées, que tu sais que ça c'est Dieu. Des relations, peut-être que c'est ça. Ce sont tes parents. Ne rentre pas en conflit avec tes parents. S'il te plaît. Sois toujours en bon terme. Appelle. Tu dis que non, elle ne m'appelle pas. Lui, il ne m'appelle pas. Mais toi, lui, il n'a pas écouté le message. C'est toi qui as écouté le message. C'est à toi de commencer. Tu vas aller au ciel. Commence à parler. Commence à partager ton bien. Vous avez bien aimé le vêtement plein à la maison. Plein. Vous avez bien aimé plein. La cave est pleine. Même pas une pensée. Dire que non. À qui je vais faire du bien? Est-ce que je vais aller donner même au secours catholique? Non. Mais enfant de Dieu. Regarde combien Dieu nous a aimés. Il a tout. Toi, tu ne donnes pas. Alors que l'amour, quand on aime, on doit partager. On doit partager. À son mari, à sa femme, à ses enfants, à ses parents, à
à ses frères et soeurs, à Dieu d'abord. Amen, amen, amen. Il faut le faire. Si tu ne veux pas pardonner, tu peux pas aller au ciel. Toutes les prières que tu peux faire, 40 jours de jeûne, retraite sur retraite, ce n'est pas ce que Dieu te demande. Nous faisons bien aimé, beaucoup de choses sans être approuvé par Dieu. Et nous oublions les choses essentielles. La chose essentielle que Dieu te demande ce matin, c'est d'aller pardonner. Amen. D'aimer et de pardonner. Il y a deux choses bien aimées que le diable ne peut pas imiter. L'amour et le pardon. Amen, amen, amen. L'amour et le pardon. Et dans 1 Corinthiens 13, 7. 1 Corinthiens 13, 13. Je suis en train de finir. Amen. Paul a dit que maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais le plus grand de ces choses. Amen, amen. 1 Corinthiens 13. Que toutes ces trois choses, demeurent. Amen. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces trois choses, Paul dit que c'est l'amour. C'est l'amour. Tu peux avoir la foi sans l'amour, jusqu'à transporter les montagnes. Sans l'amour, tu n'es rien. Rien. Demandez cela, bien-aimé. Lisez 1 Corinthiens tous les jours. Si tu veux bien-aimé comprendre qu'est-ce que c'est l'amour, lisez-le. Vous ne supportez pas quelqu'un qui vient à l'église. Laissez-le venir comme il est. Amenez nous les montrons l'amour. Amen, amen. Regardez dans la Bible. Jésus, il est vraiment 100% Dieu. Amen, amen. Il était parti voir un homme. Il y avait une femme prostituée qui était venue le voir. Cette femme-là commençait à toucher Jésus. À toucher à ses pieds, à toucher à ses cheveux. Ses disciples, l'homme qu'il avait reçu dans la maison, il est en train de dire, il dit que si cet homme était réellement un prophète de Dieu, il allait savoir quelle est cette femme-là qui est en train de toucher. Mais je savais qu'elle était une prostituée. Mais cette femme-là avait compris que celui-là qui est assis, c'est le maître. Jésus ne l'a pas repoussé. Par rapport à nous, nous repoussons les péchés. Quelqu'un qui rentre ici dans cette salle avec les saints dehors, je ne sais pas, tout le monde va la regarder comme ça. Païenne, peut-être que toi tu es plus païenne qu'elle. Oui. Parce qu'elle n'a pas encore compris, elle n'a pas encore connu ce que toi tu as dit. Une telle personne allait vers lui. Montre-lui que ma soeur, non, Dieu t'aime, nous t'aimons, nous te recevons. Quand il va regarder tout le monde, il n'y a que moi qui est habillé comme ça. C'est ça l'amour. Mais si vous la mettez de côté, vous la rejetez. Ce n'est pas ça. Jésus a parlé avec la femme samaritaine. Une femme bien aimée d'une mauvaise vie. Quand l'amour de notre Seigneur. Il a parlé avec lui. Alors que les disciples disaient, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, cet homme-là, cet homme-là, il en parle. Mais il savait que, si tu veux gagner le cœur, si tu veux bien aimer, ramener les gens au Christ, à Christ, c'est l'amour. Les gens qui ont une mauvaise manière de parler. Même un conseil, c'est donc par amour. Voilà pourquoi beaucoup de vos conseils sont rejetés. Chrétien, vous parlez avec toute arrogance. Tu es en train de me conseiller ou bien tu es en train de me condamner. Même un conseil, ça se donne par amour. Parle avec amour. Montre à la personne, regarde les dangers, regarde les désavantages, regarde les inconvénients. Fais attention. L'amour. Mais si bien aimé, on répond le mal par le mal. On est pareil. Ton mari t'insulte, toi aussi tu insultes. Tu es pareil que lui. La soeur insulte, toi aussi tu insultes. Vous êtes pareil. Mais quand tu as envie de voir, bien aimé, il faut que le moi soit crucifié. Oui. Il faut que le moi, donc moi, on ne peut pas me faire moi. Il faut que ce moi-là, quand le moi est crucifié, c'est bon. Amen. Amen. Tu peux supporter quelqu'un. Tu peux vivre. Si tu as l'amour, tu peux vivre avec des gens qui ont un caractère difficile. Les gens vont te demander, mais comment toi tu fais avec tes gens? Tu arrives parce que tu sais non. Quand elle va dans ce sens-là, moi je sais comment faire. Aimons-nous les uns les autres. L'espérance que nous pouvons avoir, la foi, c'est bien. Mais au-dessus de toutes ces choses, c'est l'amour. À savoir,
c'est Dieu qui a initié. C'est Dieu qui nous a aimés les premiers. Son amour est inconditionnel. Ce matin, tu vas retourner avec cette phrase qui va t'accompagner jusqu'à l'éternité. Amen, amen. En disant que je suis le fils bien-aimé de Dieu. Je suis aimé par Dieu. Amen, amen. Quelle que soit l'adversité, quel que soit ce que tu peux traverser, le médecin a dit, je ne sais pas quel pronostic, tu vas dire que je suis la bien-aimée de l'Éternel. Dieu m'aime tel que je suis. Dieu m'aime parce que Dieu t'aime. Cherche à faire sa volonté. Amen. La volonté de Dieu, que nous puissions marcher dans la sanctification. Que nous puissions marcher dans la sainteté. Parce que son amour va te consumer. Croyez à l'amour de Dieu. Bien-aimé, si tu sais que combien tu t'aimes, tu te laisses, bien-aimé, submerger dans son amour. Et tu vas voir tout ce qu'on bien-aimé, sans effort. Il y a des habitudes que tu commences à avoir. Il y a des caractères qui commencent à refléter Christ sur la terre. C'est ça la mission. C'est pour ça que Dieu nous a sauvés. Pour que nous puissions démontrer Christ aux autres. Pour que nous puissions montrer au monde que Dieu nous a aimés. Pour que nous puissions montrer au monde que Jésus est avec nous. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Devant le monde, il t'a rabaissé. Prie ma soeur, prie mon frère. Dis Seigneur, je ne peux pas en moi-même. Je ne peux pas en moi-même. Donne-moi la force d'aller me réconcilier. Là où il y a eu froideur, donne-moi cette force-là. Demande à Dieu de te donner cette force-là. Que tu puisses te réconcilier.
que tu puisses te réconcilier. Oh, merci Seigneur. Gloire et louange à toi. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui veut recevoir l'amour de Dieu dans son cœur? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui s'est dit dans son cœur que depuis longtemps, je retenais beaucoup.